et pas du tout gauchiste. Bah maintenant on vise le titre, enfin, c'était déjà l'objectif de début d'année. Après c'est sûr que les trois victoires ça nous aide bien au niveau du championnat. On va continuer dans la dynamique, on va travailler bien comme il faut parce que les spéciales sont très techniques. Depuis le début de l'année c'est le premier terrain que je connais, donc forcément bah, on tient à cœur de faire un bon résultat ici. Et voilà, on a fait de bons essais avec toute l'équipe Sarrazin Motorsport et Nicolas Bernardi et on est prêt pour affronter ce rallye. Température idéale, il fait parfait, c'est météo superbe. Deux spéciales qu'on a déjà fait l'année dernière, une spéciale qu'on fait à l'envers, donc qui est nouveau pour nous. Je suis content de revenir ici. C'était notre début avec la C3 CHL aux couleurs Yakko l'année dernière. Ça va faire un an maintenant qu'on est dans cette voiture. Le début de saison n'est pas ce qu'on avait pu penser au début en partant pour cette saison complète. On a une nouvelle auto là, qu'on a eu l'occasion voilà, de pouvoir la prendre parce que la Hyundai est en vente. Et c'est sympa, c'est très sympa, c'est plus, on va dire, plus aseptisé, mais un peu plus facile à conduire aussi. C'est surtout la préparation pour le rallye de Grèce, auquel on va participer dans deux semaines. Se mettre un peu dans le rythme avec la voiture, faire des kilomètres sur la terre. That's what I'm talking about. Wait. Okay now. From the beginning. Hit it, boys. On a eu quelques soucis mécaniques à l'heure de démarrer, qu'on a dû régler. Gauche 100 moins tenir, 100 moins tenir, court. Droite 110 moins court, sur gauche 110, sur. Droite 103, ferme léger, surtout pas corde en sortie. 30 mètres, le gauche 120 plus, boss pex. 40 mètres, frein, au gauche 110, tenir. Donc, épingle droite 50 court. Épingle droite 50 court. Et droiti, sur. Gauche 130 moins court. Plutôt bien, vraiment content d'être à cette position. Maintenant, il faut la défendre, il ne faut pas faire de bêtises parce que là, cet après-midi, la boucle, à mon avis, va être très très cassante.
attaqué mais intelligemment. On a essayé d'éviter tous les pièges. Donc voilà, on est en tête provisoirement avant la pénalité. Et cet après-midi, on va continuer sur ce rythme pour arriver au bout à Mende et en tête.